Aujourd'hui pour le troisième et dernier vlog à Milan, voilà, c'est mon troisième et dernier jour aujourd'hui. Alors pour vous expliquer un peu le programme, il s'est un peu bouleversé parce que ce matin je devais me lever tôt, normalement je vais me lever pour 9h, enfin tôt normal quoi, genre pour 9-10h, et je n'ai pas entendu mon réveil. Il est 14h15, voilà, et je viens à peine de finir de me préparer. Donc cet après-midi, donc du coup il va y avoir un tout petit programme. En fait je vais aller au Castello Strozza, je sais pas bien prononcer. Donc c'est, en gros c'est un château qui est situé dans le centre de Milan, juste derrière le Duomo, avec un grand parc. Donc je vais aller visiter ça, je vais aller faire quelques photos, faire quelques plans, parce que j'ai pas eu l'occasion de visiter grand chose du coup sur Milan, vu qu'hier je suis allé à Turin et juste avant c'était une visite un peu speed puisque je devais récupérer le Airbnb et tout. Enfin c'était vraiment le gros bordel, mais là ça devrait aujourd'hui ça devrait aller. Ensuite je vais aller faire quelques magasins et je vais aller à Bath & Body Works, oui, le gros cliché de la youtubeuse beauté, voilà, du youtubeur même, hein, clairement on peut le dire. Donc voilà, il y a un Bath & Body Works à Milan, la chose qui m'a totalement choqué, et du coup je vais aller visiter ça. Et ensuite après, une fois que j'aurai fait ça, je vais aller faire d'autres trois magasins, j'ai une ou deux cartes postales à acheter. Et aussi j'ai je dois passer encore dans un supermarché pour acheter des choses pour ramener, sachant que j'ai déjà des choses à ramener. Je dois ramener ça, je vais ramener les pâtes parce que du coup je ne veux pas les gaspiller. Le café je peux pas parce qu'il est ouvert comme ça, donc je vais le laisser, ça servira pour le prochain. Je vais ramener des crackers, ça c'est des épices italiennes, donc on a on a du poivre ou quoi, mais j'avais plus de poivre chez moi donc ça tombe bien. J'ai des herbes d'Italia, donc des herbes italiennes, et du peperoncino, du poivre en fait, du alors c'est pas du piment d'Espelette, hein, parce que c'est du piment italien je pense, mais du piment voilà quoi, en poudre comme ça. Il y a du sel aussi, mais j'ai du sel chez moi donc je vais le laisser là. L'huile d'olive aussi je le laisse là. De toute façon la plupart des choses c'est des choses qu'on a en France, mais c'est vrai qu'il y a des marques qu'on n'a pas en France, genre voilà. Ça je le laisse là, j'aurais voulu ramener ça pour offrir à quelqu'un, je pense c'est du Prosecco. Genre c'est super bon, je voulais le faire goûter à ma maman, à mon papa, à mes parents quoi. Mais le truc c'est que je n'ai pas de... enfin je sais pas si j'aurais suffisamment de place et suffisamment de temps. Sinon c'est tout. Bon, écoutez les amis, du coup je vais y aller, j'ai mon sac qui est prêt, j'ai tout qui est prêt. Je vais prendre le métro, je vais y aller, puis je vais revenir, puis après je prends ma clé. Enfin, je rends les clés, je prends mes affaires et je... Est-ce que c'est un train suisse ça? Ah non. Non, parce qu'en fait, il y a des trains suisses qui passent devant mon Airbnb. Et voilà, sinon c'est tout. Ouais, je rends les clés. Après, je prends mon avion donc à Linate pour revenir à Roissy, donc à Paris. Et voilà, et ce soir, je vais pas filmer, mais j'ai une soirée aussi. Donc voilà, juste après être rentré à 23h, je pars toute la nuit pour une soirée. Donc c'est super. Donc voilà, écoutez, on va bien s'éclater, hein. ça va être top, hein. Je vais essayer de tenir le coup parce que non, mine de rien, je suis crevé. Voilà, hein. Et je pense pas que cette vue va me manquer parce que bon, c'est très sympa comme vue, mais la voie ferrée, j'en ai déjà marre. Voilà, même si ça m'a fait plaisir de voir passer des trains suisses, des trains italiens, au bout d'un moment, ça fait quand même beaucoup de bruit, surtout la nuit quand vous avez des cargos qui passent jusqu'à 1h du mat. C'est un peu chiant. Voilà, voilà. Bref, je vous laisse, je vous retrouve dans le centre-ville de Milan. A tout de suite et bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Ok, alors je viens de claquer 40€ là-dedans, voilà, ça coûte super cher, vraiment faites gaffe, ce truc est vraiment addictif et ça coûte super cher. Voilà, c'est vraiment le craquage de l'année parce que bon, en même temps un Bath & Body Works, j'en retrouverai pas un avant le voyage aux USA, donc bon. Bon, je me suis pris un latte et genre j'ai dépensé clairement beaucoup trop. Je suis allé donc à Bath & Body Works à TRC pour acheter un t-shirt Hobby, je vous montrerai ça à l'hôtel. Et voilà. Qu'il était avant de rentrer au Airbnb pour récupérer la valise.
Bon, je suis bien rentré dans le Airbnb, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté rapidement. J'ai pas énormément de temps, ça me saoule parce que je dois en faire encore tout faire toute ma valise. Je dois peut-être descendre au supermarché en bas parce qu'il y a des choses que je voudrais encore acheter avant de rentrer, de la bouffe pour amener. Donc voilà, je vais vous faire mon petit haul très rapidement. Alors pour commencer, je suis allé à Tressé. Donc Tressé, c'est un peu le Citadium local. C'est en gros, c'est que des... donc ça se présente comme ça. C'est que des... tout ce qui est vêtements hype, sneakers, etc. C'est streetwear quoi en gros. Mais c'est des streetwear assez, on va dire, qu'on a déjà vu beaucoup en France pour la plupart. Mais j'ai quand même trouvé un super design, craquage total. Vous connaissez mon amour pour les roses. Voilà, alors j'ai trouvé ce design hobby avec des roses, évidemment. Genre magnifique, que 35 euros en plus. Franchement, pour un t-shirt hobby, c'est pas très très cher. Donc voilà, il se présente comme ceci. Il est trop 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 beau. Et voilà, et ensuite, le Graal du Graal du Graal du Graal du Graal. Alors, je suis allé à Bath & Body Works. Comme vous le savez, il y en a un à Milan. Donc j'ai acheté pour commencer cette bougie à l'orange ou fleur d'oranger, je sais pas trop, bon bref, qui était en promo d'ailleurs, donc je suis grave content, elle était en promo. Voilà, elle se présente comme ceci, c'est la Orange Blossom and Tift Hood. Voilà, j'essaie de faire le focus comme les youtubeuses, mais avec une main ça va être un peu compliqué. J'ai acheté ce savon pour les mains aussi, parce que je sais qu'ils ont très très bonne réputation chez Bath & Body Works, du coup j'ai acheté ça. Et évidemment, vous connaissez le Graal de Bath & Body Works, j'ai acheté 4 gels pour les mains. J'ai acheté celui-ci, celui-ci et celui-ci et celui-ci. Voilà, les 4 comme ça. Voilà. Donc bon, c'était un de mes rêves d'en acheter. Non, je rigole quand même pas, mais c'est genre, c'est tellement beau et enfin les gens, en fait, j'en ai tellement entendu parler que du coup, je voulais trop essayer. Et comme on n'a pas Bath & Body Works en France, on l'a pas, il y en a pas à Londres, il y en a nulle part. Il n'y en a que à Milan, quoi, mais c'est pas possible. Genre Milan, et après, il faut aller aux États-Unis, quoi. Donc, du coup, je les ai pris là. Et j'irai aux États-Unis quand j'irai aux États-Unis, quoi. Là, pour l'instant, je n'y vais pas. Enfin, c'est pas tout de suite, c'est en juillet. Donc, voilà, ça fait un petit avant-goût. Donc, voilà, je suis plutôt content de ces achats, malgré que ça m'a coûté assez cher. Genre 38 euros pour Bath & Body Works. Par contre, le t-shirt, je trouve que c'est une affaire. Mais voilà, ça reste quand même du craquage, voilà, mais bon, ce sont des petits plaisirs de la vie, hein. Bref, sinon c'est tout, je vais faire ma valise, je vais partir maintenant. Ah oui, j'ai acheté aussi deux cartes postales pour moi, une pour une amie, et j'ai un magnet de Turin pour une amie, un magnet de Milan pour une amie, et j'ai un magnet pour moi, voilà, c'est ça. Et sinon c'est tout. Bon, je vous laisse, je vous retrouve à l'aéroport, et enfin tout à l'heure juste avant, puis après à l'aéroport, si j'ai le temps, je verrai, et voilà. Bon, je suis à l'aéroport, mon avion il est là, regardez. Oui, je sais pas si vous le voyez, il y en a, il n'y a pas le focus ici, il est là-bas. Et je voulais m'acheter de quoi manger, mais il n'y a rien, et il y a trop de queue. Dans l'avion, je vais rien manger, et après ce soir, je dois tenir toute la nuit pour une soirée, donc ça va être bien chaud, parce qu'ils servent que des apéritifs dans les classes éco d'Air France pour les vols moyen courrier, c'est bien chiant. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup voilà, sinon c'est tout. Can't you see? You got a connection for me.